lourdes responsabilités. Je suis chargé de m'occuper de vous et de régler cette affaire. Je pense que ça ne vous étonnera pas. Je n'ai pas honte de mes actions. Honte, vous dites ? Vous ne pouvez pas vous offrir le luxe de la faiblesse et des repentirs. Vous ne devez rien mettre au-dessus de ce qui est notre objectif suprême. Je ne crois plus à votre objectif suprême. Alors vous méritez votre sort. Ce n'est pas à vous de décider de mon sort. Si vous avez des raisons, vous n'avez aucun droit. Et aucun moyen non plus. Vous prétendez me dicter ce que je dois faire ? C'est bien ça ? Avez-vous une idée des conséquences de vos actes ? Et de leur prix ? De quel droit leur donnez-vous de l'espoir ? Qu'est-ce que vous leur donnez, vous ? Nous leur donnons du bonheur. Et ils nous donnent de l'autorité. L'autorité de leur enlever toute liberté sous couvert de démocratie. Les hommes ne seront jamais libres. Parce qu'ils sont faibles, corrompus, indignes et agités. Les gens ne croient qu'en l'autorité. Ils sont là d'attendre vainement des miracles et des mystères. La science est leur religion. Aucune autre explication n'existe pour eux. C'est pour qu'ils persistent à le croire que notre projet doit aller de l'avant. Qu'est-ce qui leur en coûtera ? Cette question n'a rien à voir. Et l'issue est inévitable. La date est arrêtée. Quel prix devront-ils payer pour la satisfaction de votre égoïsme ? Combien devront mourir pour préserver vos intérêts dans ce projet ? De passe-passe et vos miracles ne m'impressionnent pas du tout. La peine que vous méritez vous sera infligée. Oui, mais par qui cette fois et avec quel instrument ? Par ceux qui possèdent l'instrument de votre destruction.